Bonjour à toutes et à toutes, messieurs, dames, vierges. Comment allez-vous? C'est Elisa Tarot. Et je viens aujourd'hui avec un autre message pour vous. N'oubliez pas que les messages que je délivre sont généraux et non personnels. Donc si je dis des choses qui vous parlent, gardez-les. Si je dis des choses qui ne vous parlent pas, laissez-les pour quelqu'un d'autre. Merci. Ok. J'espère que vous allez bien, les vierges. Donc pendant la méditation, j'ai entendu une hypocution. Et j'ai eu l'œil qui a été amené vers cette carte, je ne t'ai jamais aimé. Je ne t'ai jamais aimé. Donc je crois que c'est une histoire d'amour entre une personne qui avait peut-être un embonpoint, comme on dit, quelqu'un qui avait un peu de poids. J'ai pas envie de dire de poids en trop, parce que en trop par rapport à quoi, je sais pas, mais quelqu'un qui avait peut-être une surcharge pondérale, on va dire, utiliser des termes médicaux, qui a du coup fait une liposuction, quoi. Voilà. Bon, on va sortir les cartes et voir ce que ça donne. Pour les vierges, quel est le message pour les vierges? Message pour les vierges. Voilà, le 3 de denier. Le 6 de bâton. Le magicien. Et le valet d'épée. Donc, il y a une réconciliation qui est en train de se faire entre une personne et une autre. Donc, la première personne, du coup, je pense que c'est une femme qui a subi une liposuction, en tout cas, qui est allée, voilà, qui a organisé une liposuction et qui a été opérée. Et qui, maintenant, a peut-être beaucoup de succès, en fait, avec... Dans sa vie sentimentale, qui a beaucoup de succès, on a le 6 de bâton. Et je pense que la personne qui était avec cette personne avant l'espionne beaucoup sur les réseaux. Et je pense qu'elle essaie de la manipuler pour qu'ils se remettent ensemble, en fait. Je pense que c'est ça l'histoire. Ouais, et j'ai encore, c'est pour ça, j'ai pris le deck deux fois, le Tarot del Fuego de Ricardo Cavallo, là. Je l'ai mis deux fois pour avoir des confirmations. Et là, j'ai le valet d'épée. Qui ressort deux fois, donc c'est pour vraiment insister sur le fait qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de stalking qui est en train de se faire. La personne, je pense, qui était que cette personne et ils se sont séparés, voilà, passe son temps, je pense, à je sais pas si c'est juste sur internet, hein, à l'observer, la suivre, etc. quoi. Et on a une personne qui est très, très obsessive d'un côté. Et qui essaie de la manipuler pour qu'ils se remettent ensemble. Sauf que cette personne, en relation amoureuse, elle n'apporte que des problèmes. Elle n'apporte que des problèmes. Je ne sais pas si je vais prendre tout ça, par contre. Donc, j'ai le 10 de bâton. C'est une personne qui amène beaucoup de soucis avec elle, en fait. Quand elle est en couple. Voilà. Et qui est assez malhonnête. Perverse, méchante, j'entends même. Ok, quoi d'autre? Et qui serait déjà dans une relation avec quelqu'un d'autre. Une femme qui est tombée enceinte de cette personne. Voilà, donc malgré que, c'est peut-être quelqu'un qui a du poisson dans son thème astral, ou qui serait poisson. Quelqu'un, donc il y a une rupture, et l'autre personne, du coup, a également retrouvé quelqu'un. Il y a une femme qui est enceinte ici, mais ça n'empêche pas cette personne de suivre son ex, voilà, la stalker sur les réseaux, tout quoi. Quelqu'un de très obsessif. Avec des traits très très toxiques, très toxiques, qui a tendance à se droguer pas mal, boire beaucoup, et qui est très immature. C'est pas l'homme idéal. Je sais pas si c'est un homme ou pas. Voilà, très immature avec l'argent aussi. Quoi d'autre? Voilà, et qui dit à tout le monde que cette personne a le cœur brisé, mais en fait, cette personne, elle trouve juste ça injuste d'avoir été en relation avec quelqu'un. C'est pervers narcissique de A à Z. Écoutez bien. C'est une personne qui trouve ça injuste d'avoir été en relation avec quelqu'un qui avait du poids en trop. Voilà, j'utilise l'expression. Il n'y a pas de poids en trop pour moi, il n'y a pas de corps parfait, hein, mais qui avait une surcharge pondérale. Et puis, une fois qu'ils ne sont plus ensemble, cette personne a du succès. Et cette personne, c'est pas tellement qu'elle est amoureuse et qu'elle a le cœur brisé, mais elle trouve ça injuste de ne pas avoir eu la meilleure version de cette personne, en fait. Voilà. Alors que je pense que dans la relation, il y avait pas mal de brimades. Hein. J'ai la reine d'épée qui est sortie. Je pense que c'est une personne qui devait lui rabâcher tous les jours
que son corps n'était pas joli, qu'elle devait perdre du poids, etc. Voilà. Et j'ai l'étoile. Donc je pense que dans cette relation toxique, en fait, la personne qui a subi une liposuction, elle a réussi à trouver de l'espoir. Dans quoi? Ah, c'est peut-être quelqu'un qui est tombé un petit peu dans des addictions aussi. Hein. Ouais. C'est peut-être quelqu'un qui s'est rapproché peut-être de la religion, de la spiritualité, et ça a aidé à sortir de cette relation toxique, en fait. Ouais. Et de cette relation toxique, voilà, j'ai le diable, quand je dis j'ai le diable qui sort, c'est une relation qui vraiment l'avait mis au plus bas, et elle avait commencé à développer des addictions aussi, mais elle a réussi à s'en sortir grâce à la spiritualité, je pense, ou la religion, et où? Alors, voyons voir en quoi. Comment est-ce que cette personne a pu se sortir de cette mauvaise passe? Ouais, bah c'est une personne qui a dû partir. Hein. Je pense que c'était une relation vraiment, vraiment toxique. Hein. Cette personne, elle a dû déménager carrément. J'ai la roue de la fortune aussi. Pourquoi? Oh, elle a volé. J'ai la roue de la fortune qui sort deux fois. Quand je vous dis que je m'y mets deux paquets pour vraiment avoir des confirmations, j'ai la roue de la fortune qui sort deux fois, quoi. Donc c'est peut-être une personne, une femme qui a vraiment du très bon karma. C'est peut-être une femme qui se comporte toujours très bien. Pas un mot plus haut que l'autre, qui comprend toujours les autres. C'est celle-ci qui a volé. Qui comprend toujours les autres, est toujours là pour les autres, en fait. Et qui a accumulé, c'est ce que j'appelle accumuler du bon karma. C'est quand tu te comportes très bien, tout le temps. Et que personne n'a rien à te reprocher, tu accumules du bon karma. Et donc, à rencontrer une personne qui s'occupe très très bien d'elle, quelqu'un de très charmant, il file le parfait amour. J'ai le chevalier de coupe et la reine de coupe. Donc voilà, elle a rencontré quelqu'un qui la traite très bien, est très amoureuse, les deux sont très très amoureux et voilà. Après avoir subi une relation toxique, elle a réussi à s'en sortir. Elle a peut-être réussi à avoir le corps dont elle avait envie depuis longtemps. Et puis, une relation amoureuse à quelqu'un qui l'aime, quoi. Et qui s'occupe bien, bien d'elle. Et puis, ça a l'air top. Voilà. Après, il y a le jugement et le 2 de coup, de denier. Pourquoi? Jugement et 2 de denier. Why? Why? Ouais. Alors, je pense que cette personne, elle serait peut-être dans une situation où elle repense à la personne avec qui elle était avant, avec qui elle a subi une relation toxique, parce qu'elle commence à hésiter, parce que cette personne, je pense, essaie de un peu la ramener avec une histoire d'argent, en fait. Je pense que l'homme en question, avec qui elle était avant, je pense que c'est un homme, après, voilà, vous lisez l'histoire comme vous pouvez, vous voulez la lire, mais je pense que la personne en question, peut-être un homme, avait beaucoup d'argent. Et essayer de la ramener avec de l'argent. Mais c'est une très, 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 très mauvaise idée de se laisser berner par ça. C'est une très mauvaise idée parce que l'argent peut être utilisé comme un appât, mais il faut aussi se rappeler la douleur que c'était cette relation et la difficulté que c'était de la quitter, en fait. À quel point c'était difficile de s'extirper des mains de cette personne, c'était extrêmement difficile. Donc, retomber dedans pour une question financière, c'est dangereux, quoi. C'est très dangereux. Ok, comment est-ce qu'on peut corriger cette situation? Ouais. Je pense que cette personne est appelée à se rappeler que dans cette relation, elle avait très peu de temps pour elle. C'était une personne extrêmement possessive. Lui laissait pas du tout le temps de respirer, quoi. Et puis il y a une histoire sur l'amour aussi. L'as de coupe. Peut-être qu'il y avait des sentiments assez forts quand même au début. Je sais pas s'ils sont toujours présents. Ou plutôt, c'est peut-être une personne qui est justement en train de se reconstruire émotionnellement. Parce que c'était hyper douloureux. Parce que je viens de ressentir un poids sur le cœur là. C'était dur de se reconstruire émotionnellement après cette relation. Et c'était deux personnes qui étaient à deux doigts de se marier, je crois. Il y avait une question de mariage. C'était à deux doigts de se marier. Mais justement, au moment où c'était le plus proche pour eux deux, au moment où ils étaient à deux doigts de justement rendre la relation officielle en fait avec le mariage, c'est là que l'autre personne a commencé à vraiment aller voir ailleurs. Donc il y avait beaucoup d'infidélité en plus.
En fait, c'est là, je pense, que réside la douleur de cette relation. C'est que vraiment, au moment où on est arrivé aux 10 de couple, où vraiment les deux se sont bien entendus, les émotions étaient vraiment beau fixe, c'est là que cette personne a commencé à tromper à pire l'argot. Cette personne a commencé à vraiment être extrêmement infidèle. Pourquoi? Ouais, je pense que c'est une personne qui a vraiment des problèmes de confiance en soi, en fait. Et qui a toujours besoin... Je crois que c'est une personne qui a vraiment... Scorpion, hein, j'ai le pendu qui revient. Qui a du poisson en soi. Et qui a ce côté un peu volage, quoi. Ce côté, j'ai envie de voir tout ce qu'il y a un peu sur Terre, quoi. Et une personne qui apprend pas trop de ses erreurs. Et voilà, qui fait les choses sans trop réfléchir à ce que ça va engendrer, ce que ça va faire ressentir à l'autre personne, quoi. Ok, donc, est-ce que j'ai un conseil à donner à la personne à qui ce message, ou les personnes à qui ce message s'adresse? Quel est le conseil? Ouais, voilà, c'est tout simple. La réconciliation, 3 de couple, la réconciliation avec cette personne, ça va apporter que des problèmes. C'est que des problèmes, c'est retourner dans une situation qui est catastrophique. Voilà, on dirait pas comme ça parce que l'autre personne a pris le temps de se reconstruire, etc. Elle a trouvé quelqu'un, elle se ressent mieux. Donc, elle est apaisée de la relation. Mais si la question s'était posée juste après qu'ils se soient séparés, cette personne n'y aurait pas pensé, ne serait-ce que l'espace d'une seconde. Mais maintenant que c'est apaisé, il y a une accalmie, etc., la femme en question, elle se demande si ce ne serait pas une bonne idée de se reparler au moins, et puis voilà, si la personne lui offre des cadeaux, pourquoi pas les prendre, mais ça serait sacrifier une relation qui a réussi à lui apporter beaucoup de bonheur pour retourner vers l'enfer. Et vous savez, les pervers narcissiques, ce ne sont pas des gens qui sont désagréables directement. Hein. Je vous ferai une série hein, sur les pervers narcissiques, hein, avec plaisir, hein, pour vous. Partager un petit peu ce que je sais sur les relations comme ça, en tout cas avec des personnes comme ça, mais ce sont des personnes avec qui, au départ, c'est le parfait amour. Hein. Vous filez le parfait amour, il y a beaucoup de mots tendres, beaucoup de gestes tout en douceur, tout se passe bien parce qu'une personne, pour vous ramener vers elle, elle ne va pas vous faire du mal directement. Il y a ce côté savoir quand doser, en fait, quand donner de la douceur, de la gentillesse, etc. Et quand commencer à être tyrannique, en fait. Donc là, cette personne, elle est retournée à la phase de séduction, en fait. Elle recommence à vous séduire, etc., pour vous ramener. Mais au fond, c'est pas une question d'amour, c'est pas une question de souvenirs agréables, c'est une question de retrouver le contrôle sur vous, tout simplement. Donc voilà, il faut pas retomber dans le piège. Conseil pour cette personne? Ouais. Je pense que c'est vraiment une question d'argent. Je ne sais pas si la personne de qui je parle, elle est dans une mauvaise passe financièrement. Je me demande si la personne avec qui elle a une relation amoureuse, c'est une personne cancer. Scorpion. Elle est peut-être dans une relation avec une personne scorpion, un homme scorpion, que sais-je. Voilà. Et cette personne n'a peut-être pas beaucoup d'argent. Voilà. Elle a beaucoup moins d'argent que l'autre personne avec qui elle a déjà une relation. Du coup, financièrement, c'est pas trop la joie. Du coup, la proposition de cadeaux, etc., venant de l'ex, apparaît comme alléchante parce que financièrement, c'est pas le meilleur moment, quoi. Je vais essayer de tirer une autre carte par rapport à cette situation. Je t'aime. J'ai la carte, je t'aime. Je pense que c'est vraiment... C'est un je t'aime que quand je l'ai lu, ça m'a pas... Quand je l'ai lu, ça m'a... C'était pas un je t'aime agréable. Je pense que justement... L'autre personne, elle sait que la relation que vous avez maintenant, je m'adresse directement à la personne, la relation que vous avez maintenant avec votre actuel partenaire, c'est pas une relation qui est basée sur l'argent. Et je pense que l'autre personne vous connaît un peu, elle sait que vous aimez bien les choses matérielles, etc. Et elle tire justement sur cette corde-là, financière. Mais je pense que c'est vraiment un moment où il faut être honnête avec soi-même. Et il faut être honnête avec les autres. Donc concrètement, je pense que c'est une relation qui a peut-être été un peu basée sur l'argent. Et c'est peut-être un des faits qui a aidé cette relation à durer dans le temps. Mais il faut se rappeler que cet argent, l'argent dont vous avez bénéficié dans cette relation, il était donné en échange de votre santé mentale, bien-être, confiance en vous.
Voilà. Donc ça, après, c'est à vous de voir, hein, si vous êtes prêt à resacrifier ça pour des cadeaux et de l'argent, et une stabilité financière ou un excédent financier. Mais voilà, faut pas oublier l'enfer que c'était, quoi, tout simplement. Dernier conseil. Il y a peut-être même quelqu'un qui va vraiment entrer dans une relation extrêmement sérieuse, avec une possibilité de fonder une famille, voilà, se marier. Donc voilà, je me demande même si la personne avec qui vous êtes, justement, est-ce qu'elle n'a pas d'argent. Je me demande si elle ne fait pas semblant de ne pas avoir d'argent pour voir comment vous allez vous comporter avec elle. Voilà, je pense que dans cette situation, c'est vraiment, vous êtes mis à l'épreuve pour voir où est votre esprit, sur quoi est-ce que vous allez miser, en fait. Ouais. Et moi, ce que je vois, hein, j'en ai un peu peur, c'est le feeling que j'ai l'impression que la personne à qui je m'adresse, elle est prête à quitter sa relation où c'est plus agréable, mais il y a moins d'argent, pour une relation où c'est moins agréable, même carrément désagréable, pour de l'argent. Je vois le 4 de coupe et le 7 de bâton. Après, moi, je suis là pour vous donner des messages et des conseils, hein. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais bon. Il y en a qui sont prêts, hein. Il y a des personnes qui sont prêtes à sacrifier leur bien-être pour l'argent, vous savez. C'est un choix, hein. C'est un choix. Après, il faut vraiment être honnête avec soi-même, hein, et pas blâmer l'autre personne quand on a signé le contrat, hein. Alors, patience, passion, poisson. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est poisson ici qui fait de la musique. Parce que patience, passion, ça fait des allitérations. C'est des allitérations, des consonances. Ceux qui ont fait un peu de littérature. Patience, passion et poisson. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est artiste ici. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est un message un peu spécifique qui appellerait peut-être justement cette personne qui est prête à se remettre dans cette relation à peut-être utiliser la musique comme exutoire, quoi. Comme façon d'exprimer ses émotions, en fait. Et j'ai peur d'emploi. Donc je pense que se remettre dans cette relation, ça va peut-être être de très mauvais augure, et le bon karma que vous aviez avec l'autre personne sera peut-être un peu taché. Moi, je vous donne les messages comme ils sont, vous prenez les décisions que vous voulez. Ok. Bon, bah les vierges, c'était tout pour moi aujourd'hui, c'était Elisa Tarot, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, et puis mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Voilà. Les vierges, prenez soin de vous, et puis on se voit à très bientôt. Bye bye. Bisous.